Dominique Périer. Est-ce que vous croyez que Jean-Sébastien Bach aurait été transporté de joie en écoutant son concerto brandebourgeois joué sur vos synthétiseurs? Je pense que ça l'aurait amusé. Il aurait peut-être voulu toucher un peu au bouton lui aussi, mais il faut voir. Pourquoi avoir choisi Bach? C'est à cause du côté mathématique de la musique qui correspond bien avec cet instrument. Est-ce que c'est pas aussi un peu mégalomane de dire d'être un petit orchestre à soi tout seul et jouer les concertos et... Non, ça c'est un petit orgue de barbarie moderne. C'est rien de plus, c'est-à-dire au lieu d'avoir un rouleau, le principal c'est qu'il n'y a pas de manivelle. Ce qui est très pratique, il n'y a plus la manivelle. Mais enfin, au lieu d'avoir le rouleau, on a une petite cassette, on met la cassette, et puis c'est l'instrument qui joue. C'est-à-dire que la partition, elle est respectée intégralement. Il n'y a aucune interprétation. Oui, enfin, vous pensez que ce n'est pas une interprétation que de ne pas interpréter? Si, c'en est une, mais elle est sans, comment... Elle est neutre. Elle est neutre, oui. Et c'est ça qui vous passionne avant tout dans cette méthode, cette espèce de neutralité de... Oui, surtout par rapport à Bach, qui n'aimait pas tellement les musiciens et qui n'aimait pas les interprétations. Il n'aimait pas qu'on lui dise « Est-ce que vous voulez que je vous le fasse comme ça ?» Autrement, vous voulez que ça soit droit. Alors, c'est vraiment très, très ascétique, ça, comme démarche. Vous vous effacez complètement, vous n'existez plus, quoi, en tant que musicien. J'enlève les médias entre le créateur et l'oreille humaine.